qui sera l'une des favorites au même titre que Daria Klechina. Ça passera pas pour Paul Renaudy qui est éliminé malheureusement. Allez, Daria Klechina, finale de la longueur. Elle est 7e pour l'instant avec 6 m 41. Daria Klechina pas vraiment à son niveau pour l'instant. Eh bien voilà, ça va mieux. Est-ce qu'il est bon cet essai? Est-ce qu'il est validé? Non, drapeau rouge, il est mort. Oui, il y a des conditions difficiles puisque Héloïse a sauté à 6,65 avec moins 3 nœuds. Elle a 2 années à tenir au plus haut niveau. Allez, Daria Klechina, elle, n'a plus que 3 essais pour monter sur le podium de la longueur. Un concours de la longueur toujours dominé par Ivana Spanovic. 4e essai. J'étais avec le groupe France là tout à l'heure là pendant le début du concours. Héloïse a du mal à canaliser ses repères, à canaliser le vent. Ouais. Vous avez vu son premier essai avec moins 3,9 et moins 3 mètres le deuxième. Malgré ça, elle arrive à nous poser un 6,65 m, donc ça montre qu'elle a les jambes maintenant. J'ai vu qu'elle a quelques problèmes pour maîtriser justement ses conditions. Et comme je le disais à Renaud Longuev et à Robert Aymin, j'ai dit que le premier essai sera très déterminant sur l'issue du concours. Mais pour l'instant, on a une 3e médaille de bronze. Mais exactement. Et Louise, qui est tenante du titre, je pense qu'elle est venue. Elle est venue pour gagner. Oui, clairement, hein, elle est championne du monde cet hiver en salle. Donc, elle est venue également pour l'emporter. Pour casser le concours directement. Allez, Daria Klechina, dernier saut pour la Russe. Oui, elle est plus au niveau... Elle a changé d'entraîneur. Ouais, mais elle est partie en Floride s'entraîner à l'américaine. Mais il y a danger quand même, hein, avec cette athlète. Daria Klechina. Mannequin également à 16h. Alors non, ce sera son meilleur saut, mais c'est insuffisant. Elle va échouer au pied du podium avec 6,65 m, Daria Klechina. Par contre, la planche est parfaite. Là, il n'y a rien à dire. On est d'accord. Pas difficilement mieux. On voit qu'elle bloque, hein, sur le niveau de l'impulsion. Il n'y a pas la fluidité qu'on a pu voir l'année dernière ou il y a 2 ans. On sent vraiment que là c'est un peu plus étriqué. Elle a déjà sauté 7 mètres, hein, 7,05 Daria Klechina. 6,90 cette année. Elle en est un peu loin.